Shalom, shalom, soyez bénis. Je suis le prophète Joël Casso, appelé communément le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je fais cette vidéo pour vous annoncer un événement de taille ce samedi 1er avril 2023. Sur Paris, et précisément à Villejuif. Ne manque pas pour rien au monde. Tu es malade. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'une restauration. Tu as besoin d'être visité. Ne manque pas. Ce samedi 1er avril 2023, à partir de 14h, heure de Paris, il y aura une délivrance, guérison et restauration. Ne manque pas ce programme. Voici le numéro ci-dessus. Voilà, voici le numéro. Vous appelez à ce numéro pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous donner davantage l'adresse et vous recevoir. Je précise très bien, ce sera ce samedi 1er avril 2023. Que Dieu te bénisse. Pour rien au monde, ne rate pas ce programme. Ne rate pas ce programme. Frère, Dieu, encore, vient encore te guérir, vient encore te restaurer. C'est sur Paris, ce samedi 1er avril 2023. Shalom, on est ensemble. Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Désiré, membre de l'église de Paris, l'église MCA du prophète Joël Casso. Je vous donne la position géographique de l'église. Elle se situe à Villejuif. Et l'adresse est le suivant, c'est le 12 rue Ambroise Croizat, 94 800 à Villejuif. Et pour ça, c'est pour ceux qui viendront, qui sont véhiculés, qui viendront en voiture. Et ceux qui viendront par les transports, il faut prendre la ligne 7, direction Villejuif, Louis Aragon, et descendre à la station Villejuif Léo Lagrange. Est sorti du côté du centre commercial, ça veut dire du côté du supermarché Casino, et marcher tout le long de votre trottoir de droite jusqu'au tabac qui se trouve à la rue 12, rue Ambroise Croizat. Ce serait le portail Rouge Bordeaux. Vous entrez là et c'est là se trouve l'église. Je vous remercie.
Oh.
fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, il ne nous donne pas la paix du monde. Parce que la paix du monde est courte. La paix du monde est provisoire. Amen. Mais il nous donne sa paix. Lorsque tu as la paix de Dieu, amen, tu dors, que tu aies mangé ou pas, amen, que tu sois riche ou pas. Amen. Amen. Parce que rien ne peut te détourner. Rien. On a vu avec Job. Job était dans les faits de la maladie, de la destruction, mais il avait cette paix de Dieu en lui. Amen. Il dit, mais je suis venu avec quoi sur cette terre? C'est lui qui m'avait élevé. Si aujourd'hui il m'a abaissé, il sait pourquoi. Amen. Amen. Mais Dieu, dans son amour, il a restauré. Amen. Amen. Alléluia. Voilà Amen. Pourquoi Jésus. Nous devons chercher, nous devons planter Dieu dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire appel à ce Dieu infaillible dans nos vies. Amen. Parce que quand tu sèmes avec ta propre force, tu récoltes des fruits de mauvaise qualité. Amen. Et si je savais... Dès si je savais. Mais si Dieu est dans ta vie, c'est lui qui plante. Il a le stylo pour corriger ta vie. Il est le chemin et la vie. Si tu as fait fausse route, il a encore ce pouvoir de te ramener, amen, sur la vraie voie. Amen. Sur la voie de ta destinée. Amen. Amen. Sur la voie de ta guérison, de ta santé. Amen. Amen. Il nous a envoyé dans ce pays. C'est parce qu'il sait que dans ce pays, c'est ici que coule notre lait et notre miel. Amen. Mais est-ce que quand nous sommes venus, nous avons mis Dieu dans notre vie? Il ne suffit pas d'être, de sortir de ton pays. Parce que ceux-là, même sur le site, quand papa les interroge, il dit, mais nous, en 5 minutes, on est dans les différents pays. On va en opérer et puis on est pas. Toi, tu penses que tu es sorti de ta patrie, mais eux, ils ne payent même pas de billets d'avion, ils sont là. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, celui-là même, tu as fait, est-ce que tu savais même que tu allais un jour sortir de là-bas? Il t'a fait grâce pour te sortir de là-bas. C'est parce qu'il a des projets pour toi, tu dois t'attacher. Amen. Amen. Celui qui t'a envoyé en mission, là. Mais il t'a donné une feuille de route, mais il faut être avec lui. Ah, on dit quoi? Ici, là, je ne comprends pas bien. Ah, ici, là, je suis faible. Et puis, il t'indique. Et puis, il te soutient. Et puis, il te fortifie. Et puis, tu deviens costaud. Et puis, tu règnes. Alléluia. Amen. Parce que nos ennemis, là, ils ne se fatiguent pas. Quand ils meurent, ils transmettent le flambeau. Vendée. Amen. Amen. C'est pas si tu as eu un petit répit, tu penses que tu es sorti. Non! Attache-toi à Dieu. Seigneur, ma force. Sans toi, tu n'es rien. Je ne suis rien. Tu es ma force. Éternel, ma force. Tu es ma lumière. Je ne veux pas être dans les ténèbres. Je ne veux pas être dans l'obscurité. Je ne veux pas être sous le règne de l'ennemi. Amen. Sous le règne de la maladie. Amen. Sous le règne de la pauvreté. Je Amen. Ne veux pas être sous le règne de la sorcellerie. Amen. Je ne veux pas. Parce qu'ils peuvent venir régner sur toi sans ton accord. Parce que ce sont des djihadistes. Ils n'ont pas besoin de demander ta permission pour faire irruption dans ta vie. Amen. Ils peuvent venir te mettre dans une relation, te tenir en captivité pendant des années et tu sors du plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous emmener dans ce pays. C'est parce qu'ici coule notre lait et notre miel. Amen. Amen. Lorsqu'il a dit aux Juifs, il avait promis à Abraham. Quand, Joseph mourait, avant de mourir, il a dit aux Juifs, il dit, oh Dieu, certainement va vous visiter. Parce qu'il nous a promis, il a promis à nos pères un territoire. Mais lorsque l'heure va arriver, que vous allez partir, ne me laissez pas ici mes os la ramasser. Et puis moi, je veux vivre sur la terre promise. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Nous avons une richesse qui a été consacrée à nous, rien que pour nous, par Dieu. Mais pour trouver ce trésor, on doit être attaché à ce Jésus. Amen. Alléluia. Amen. D'autres diront que vous avez délaissé votre Dieu. Nous, on a plusieurs dieux. Et vous adorez des dieux inconnus, des dieux venus d'ailleurs. Oui, ce dieu venu d'ailleurs, il fait du bien. Quand on regarde les Juifs, c'est un cas tangible, papa. Amen. Amen. Qui inspire force et admiration. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde la Pâque. Pourquoi on commémore la Pâque? Les Juifs commémorent la Pâque parce que c'était le temps de la libération. Il a dit, tuer un animal, vite, mettez le fronton. Et la chair de cet animal, la préparez-la simplement avec des herbes amères,
en mangeant, vous ne devez pas vous asseoir. Vous devez manger à la hâte, dans la précipitation. Parce que Dieu devait écrire leur histoire. Amen. Une nouvelle histoire. Ce n'est pas l'histoire déjà vécue. Amen. Quand tu écoutes l'histoire des juifs, ça ne s'apparente à aucune histoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit préparer du pain sans levain, du pain qui n'est pas en contact avec une corruption, du pain simple. Dieu, il est simple. C'est nous qui compliquons nos vies. Amen. Amen. Il a tout accompli pour nous. Mais Amen. Nous voulons vite aller. Nous voulons vite arriver plus que Dieu. Et on se perd. On se fait mal. On ouvre la porte. Amen. Amen. On ouvre la porte à nos ennemis pour venir opérer, pour venir régner sur nous. Et on crie, nous sommes dans les fers. Et on maudit Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu, quand tu partais faire cette affaire, quand tu partais dans ce travail, est-ce que tu avais consulté Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas? Quand tu partais t'allier avec un ami pour aller te mettre dans de faux coups, est-ce que tu avais consulter Dieu avant de t'attacher et faire cette affaire. Amen. Je serai par la grâce de Dieu sur Paris. Par contre, Amen. Je suis en train de préparer mon arrivée en étant en contact avec le peuple parisien. Donc, pour tous ceux qui sont là pour la première fois, soyez bénis, c'est désormais votre communauté. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier. Le samedi prochain, on aura l'occasion. Je suis en train de dégager tous les samedis de telle sorte qu'on puisse avoir un programme ensemble. Hier, j'ai fait une veillée avec ceux de Divo, donc désormais, les samedis, si Dieu le veut, ça sera spécialement réservé à ceux de Paris. À ceux de Paris. Alors, j'ai été beaucoup sollicité dans, sur WhatsApp, si vous voulez, sur Messenger. C'est vrai que je suis en Afrique, en train de faire beaucoup de choses à la fois. Mais j'ai compris que le besoin, il est tellement énorme. C'est vrai qu'il y a l'église, de temps en temps, j'intervenais sur Paris. Voilà, donc j'ai compris qu'il faut faire face à certaines choses. Il faut aider, il faut soutenir, et ça c'est très important. Alors donc désormais, ça sera comme ça désormais. Et voilà, venez sur l'église de Paris, vous allez suivre les cultes. Et je pense que les cultes démarrent à 14h. Le problème c'est que vous avez 2 heures d'avance. Et donc ça agit beaucoup sur nous. 2 heures d'avance, voilà. Nous on a notre heure naturelle. Hein. Vous avez 2 heures en plus. Et bon, ça c'est pas grave. Je pense que le samedi prochain, par la grâce de Dieu, je ne serai pas très occupé. J'aurai l'occasion de respecter certainement l'heure. Voilà, je suis en Guinée-Conakry, ça fait plus d'un an. J'ai mes activités ici, je dois, par la grâce de Dieu, réaliser beaucoup de projets. Donc, j'ai profité de ce week-end pour régler certaines choses parce que je dois repartir sur Dakar. Voilà, normalement, je repasse sur Dakar le mardi. Voilà, je dois repartir sur Dakar mardi. Donc, c'est pour cela que ce week-end-là. Mais le week-end prochain, le samedi prochain, pour ceux qui seront là, par la grâce de Dieu, il y aura une période, un moment d'entretien. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui demandent ça. Comprendre orientation. D'ailleurs, le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est un guide spirituel. Le prophète, c'est un guide. C'est-à-dire, Dieu passe par lui pour orienter. C'est un voyant. Chaque homme de Dieu a, n'est-ce pas, son appel. L'appel de Dieu sur ma vie, c'est le ministère prophétique. Il y a des apôtres, il y a pasteurs, évangélistes, docteurs qu'on appelle enseignants, aussi prophètes. Alors, ma spécialité, c'est la description de les œuvres de la sorcellerie. Vous le savez très bien. C'est les œuvres de la sorcellerie. J'ai toujours dit aux gens, le problème en général, c'est un problème que les gens ont en général, les dons spirituels. Même si d'autres personnes pensent que ce n'est pas du mystique, ce n'est pas spirituel, mais la plupart du temps aujourd'hui, et surtout que c'est un problème spirituel. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai toujours dit, l'évolution de l'Occident, où vous êtes aujourd'hui en France, là, pour qu'ils rentrent dans ce développement aujourd'hui, là, ils ont dû combattre la sorcellerie. Personne ne dira le contraire. Le monde physique dans lequel nous nous trouvons, dépend d'un monde important qu'on appelle le monde spirituel. Sauf ça que l'être humain, il n'est pas que physique, il est spirituel. Voilà, l'être humain a un esprit. Or, l'esprit, c'est spirituel. C'est la partie esprit spirituel de l'homme. Alors, donc, comme le monde spirituel, comment le monde physique, il y a le monde de Dieu, il y a le monde de Satan. Malheureusement, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on dit malheur à terre et la mer. Le diable est descendu vers vous, animé de grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable est descendu et les œuvres du diable, hein, les œuvres même, les éléments que le diable utilise, l'élément le plus puissant dans les esprits, c'est la sorcellerie. Alors la définition de la sorcellerie veut dire quelqu'un qui lance un mauvais sort. Amen. Donc évidemment, il n'y a pas de sorcellerie positive. Lorsque la sorcellerie
Quand quelqu'un animé d'un esprit de sorcellerie, c'est un esprit. On ne peut voir ça à l'œil nu, mais il y a une manifestation. Il y a des manifestations dans les familles telles que les blocages, le non-aboutissement, la stagnation. C'est-à-dire tu stagnes. Tu ne bouges pas, tu stagnes, tu tournes en rond. Tu as l'impression qu'il faut que tu te déplaces d'un autre bout à un autre bout, parce que tu as l'impression que là où tu es là, on dirait que ça ne marche pas. Mais va, il y a d'autres mains qui sont en France, vous le savez très bien. Ça fait des années qu'ils sont là, mais ne bougent même. L'Afrique était mieux. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas une question de se déplacer. Est-ce que réellement tu es délivré? Est-ce que tu es épargné? Banco. Voilà, sinon la sorcellerie vous suit. La sorcellerie suit les gens. Ouais, il peut vous suivre, il peut vous localiser. Donc, tout c'est la technologie que nous voyons, géolocalisation, l'espionnage, tout ça, là, ça fait partie du monde spirituel. C'est du copier-coller. C'est ce qu'ils ont mis dans le monde spirituel qu'ils sont en train de refaire. Ils ont mis. Donc, la sorcellerie peut savoir. Toi, tu penses que le vieux gay Victor, il n'a pas ton numéro. Oh, lui-même, il a fini, il connaît ton numéro. Ouais, allô? Il ne faut pas donner mon numéro au vieux gay Victor. Le vieux, il a ça. Le deuxième numéro, le vieux a ça. Ouais, donc, il a ça. Le problème, ce n'est pas une question de est-ce que tu as la protection. Moi, je dis aux gens, je dis pourquoi les gens disent que le. Bon, l'année dernière, on dit le prophète Crasso est l'homme de Dieu le plus suivi sur les réseaux. Mais c'est le message. Ce n'est pas parce que les gens viennent regarder mes narines. C'est mon message. Mon message, il est clair. Tout le monde est victime de ça. La plupart des gens sont victimes de ça. Il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face. Oui. Les gens sont victimes de la sorcellerie. Prêchez, parlez de la sorcellerie. Vous vous laissez un sujet aussi important. Aussi important et vous parlez d'autre chose. C'est vrai que le salut, Jésus donne le salut, c'est très bien. Mais il n'y a pas que le salut que Jésus donne. Amen. Au-delà de ça, il y a la protection de Dieu. Amen. Il faut montrer aux gens qu'il y a la protection de Dieu. Il faut montrer aux gens qu'avec Jésus-Christ, on peut être protégé. C'est ça que les gens s'intéressent. Voilà, ils s'intéressent. Mais d'une manière barbare, tuer des gens par milliers, mais en les brûlant, ça veut dire que les gens, ils brûlent à partir du pied jusqu'à la tête, c'est ça le babuchet. On les brûlait. Donc, 11e siècle, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e siècle, ils ont compris qu'à un moment donné, pendant qu'ils combattaient la sorcellerie, le 11e siècle était bon. Deuxième, ah oui, mais c'est bon, on commence à évoluer. 13e siècle, 14e siècle, 15e siècle. Donc, à partir du 17e siècle, ils ont compris que les gens commençaient à être très intelligents, ils allaient à l'école, ils ont commencé à se développer. Donc, l'Inquisition, ils ont stoppé la tuerie des sorciers à partir du 17e siècle, parce qu'ils ont vu que, oh, on a pu les détruire, bon, c'est bon. Et donc, le 18e siècle fut le siècle de l'industrialisation au niveau de l'Europe et dans les Amériques, qu'on appelle le siècle de lumière, que tout le monde connaît. Mais avant d'arriver dans le siècle de lumière, qu'on appelle le 18e siècle, frère, tu peux être, tu dis, tu dis, non, moi je suis intellectuel. Ce n'est pas une question d'intellectuel, frère. Je te ramène, je suis en train de parler de l'histoire. Je suis en train de te parler de toi, tu penses que tu es intellectuel. Mais je suis en train de ramener l'histoire des Occidentaux qui ont combattu la sorcellerie. Bon, ils ont tué les sorciers, pourquoi? Point d'interrogation, je te donne la réponse. Ils ont tué les sorciers parce que les sorciers, ils sont très nuisibles à la société. On peut voler. C'est ça qu'il dit dans Jean le chapitre 10, le verset 10. Ta chance, toi, tu es une femme, hein, on peut prendre cette chance-là, hein, pour ton mariage. Allez, vous allez dire, mais est-ce que le gars, il est normal? Bon, quelqu'un qui n'est pas spirituel, il doit trouver qu'il se voit dans oulala, qu'est-ce qu'il rencontre là, ce monsieur? Est-ce qu'il n'est pas malade? Voilà, il va me voir comme malade. Mais mon frère, ce que j'ai dit, c'est une vérité. Tu peux n'être pas, peut-être tu ne connais pas, mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit est coloré. Ce n'est pas tout, on maîtrise. Moi, je maîtrise ma chose, je sais de quoi je parle. J'ai plus d'expérience dedans, je sais de quoi il parle. Donc, tu es là, tu penses que non, mariage, là, ils ont enlevé ça, ils sont allés vendre ça à la vieille en moins, parce que le vieux veut manger mollet. Vous avez compris? Il veut manger viande, comme si Boukari ne vend pas viande au marché. Donc, ça veut dire, toi, tu es dans Paris, là, tu marches, tu chocores, mais il n'y a pas mari. Encore même grave, deux jours avec un sorcier, donc gros cœur aux femmes. Allez, on t'a donné un gros cœur. Fâche, tu te fâches. Voici toi. Mère isolée. Pas de mariage. C'est quand tu vas avoir peut-être 50 ans, ça a commencé à te piper. Tu vas comprendre. Tu vas pleurer seul dans la maison. Tu es traumatisé parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour dire chérie. Parce que ça, tout ça, c'est important aussi. Ça fait du bien au cerveau. Ça évite d'avoir AVC. Voilà. Parce que quand tu dis de temps en temps, je t'aime, AVC s'éloigne de 10 ans. Ouais. Donc tout ça là, c'est important. Donc, mais on peut te détruire. Que rien. Sans l'action de Dieu dans notre vie. Amen. On ne peut rien. Amen. Tu peux avoir des idées, tu peux avoir toutes sortes, mais sans l'action de Dieu,
tu ne pourras rien. Donc j'ai décidé, n'est-ce pas, de vous accompagner. Alors désormais, fréquentez cette communauté, vous allez voir. J'arrive très bientôt, c'est pour cela que justement, je suis en activité, voilà. Mais j'arrive très bientôt, on aura l'occasion de vous voir physiquement. Mais avec Dieu, la distance n'est pas une barrière. Alors, donc ceux qui sont là aujourd'hui, je pense qu'on prendra bon nom pour que le samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons avoir une série d'entretiens pour qu'on puisse, comme ça je travaille même d'ailleurs depuis des années avec les gens de Divo. Donc que le Seigneur vous bénisse, on dit Amen. Nous avons lu le passage de Jean, le chapitre 10, le verset 10, s'il vous plaît. Je prends le livre de Dieu avec respect. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Très bien. Merci, ancien. Alors, regardez Jésus qui s'adressait à ses disciples. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober plutôt. C'est un usurpateur. Il présente le diable comme un voleur. Parce qu'il prend le diable, généralement, il n'a rien créé. C'est une créature de Dieu. Mais on dit que le diable vient pour dérober. Donc, il peut même voler ta bénédiction. Il peut voler tes grâces. Il peut voler tes bénédictions. Moi, déjà, en 2009, je pense qu'en 2006, je pense, on était dans une campagne d'évangélisation pour des Ivoiriens. À Gueyo, voilà, où une sorcière était dans une église, elle était diable d'une église, et elle est passée aux aveux, bien sûr. Elle détruisait tous les mariages de ses soeurs en Christ. Bon, c'est une petite ville. Elle est dans une église, on appelle l'église au réveil. Et d'autres sont dans l'église pentecôtiste, d'autres dans l'église assemblée de Dieu. Donc elle apprend, c'est une communauté chrétienne, tout le monde se connaît, elle apprend que telle personne est fiancée. Elle a fait tout pour être camarade avec cette sœur, pour dire, bon, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va intercéder. C'est d'intercéder ensemble, là, elle récupère, elle dort, elle oublie, elle dit, bon, on va dormir, il faut qu'on veille. Vous voyez, faut qu'on veille ensemble. Tout ça, et d'en veiller ensemble, là, elle détruit. Donc, elle a fait plusieurs fois. C'est pour ça qu'il faut être concentration. Elle récupère la chance. Heureusement que le Seigneur nous a envoyé dans cette ville-là. Moi, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcière. Donc, quand j'ai en face de moi une sorcière, je la mets aux arrêts. Je l'ai mise aux arrêts, elle a avoué et j'ai bien maté, mais heureusement, je ne dis pas malheureusement, heureusement, on a fait une action prophétique 3 semaines après la mort. Voilà, parce qu'on n'avait pas de raison de vivre. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de vivre. Vérité. À cause de leur méchanceté. Vérité. Voilà. Comment toi, tu peux venir narguer Dieu, hein? Dans la maison de Dieu, tu ne t'es pas fait passer pour un ange, en fait, une chrétienne. Oh, tiens, lourd a vu ça. Voilà, donc, Dieu, donc, faites très attention. Le voleur, il vient pour voler. Rien de bien. C'est tout ce que je dis aux gens. C'est parce que vous ne prenez pas garde à votre vie. Mais quand vous rencontrez les gens, hein, faites très attention. Commencez déjà à vérifier, est-ce que vous régressez ou pas. Alors, pour ceux qui ne savent pas, chaque 3 mois, l'homme avance comme l'homme régresse. Si après 3 mois, tu es au même stade, faut chercher une délivrance. Amen. Je reprends. Ça dit qu'on a commencé, on a commencé 2023. On est déjà dans le 4e mois. Quelles sont les avancées? Est-ce que les choses ont été décantées? Non. Est-ce que tu es au même stade? Ça veut dire que tu es bloqué. Voilà, ça veut dire que tu es bloqué. Or, le mot bloqué, ça veut dire qu'il faut qu'on te débloque. Est-ce qu'on a bien compris? Le mot bloqué, ça veut dire qu'il faut que tu sois débloqué. Si tu n'es pas débloqué, tu ne bougeras pas. Et de toute façon, il y a le blocage physique, il y a aussi un blocage spirituel. Amen. C'est aussi spirituel, aussi simple que ça. Mais malheureusement, les gens ne tombent pas sur les spécialistes. C'est quand tu tomberas sur un spécialiste que le Seigneur fera avancer des choses. Voilà, et donc le diable, il vole. D'accord? Il dit, le diable tue. Mais c'est ça le côté le plus dangereux. Les sorciers tuent, ils s'alimentent avec la chair humaine. Et on les appelle généralement mangeurs d'âme. Voilà, parce que c'est la partie énergétique. L'âme se trouve dans le sang et les sorciers ont besoin de ça pour avancer. Amen. Il dit détruit. Donc le sorcier peut te détruire. Toi-même, tu ne sais même pas que ta collègue, même de service, là, elle est peut-être sorcière. Ça va être, tu te confies. Tu aimes tellement parler. Tu penses que les gens sont comme toi. Tu bavas, tu sais. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Donc, la sorcellerie, vous voyez, ça bloque les vies. Ça bloque les vies. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est l'initiation. Malheureusement, des enfants, on peut les initier. En Europe, quand on parle de sorcellerie, on dit, mais le gars, il est malade. Non, un enfant ne peut pas initier un enfant, etc. Voilà, on ne peut pas. Parce qu'ils pensent que selon eux, dans leur histoire, ils ont éradiqué.
et que la sorcellerie n'existe pas. Et quand tu parles de la sorcellerie, ça doit traumatiser. Mais quelqu'un qui ne croit même pas à la sorcellerie, moi, je dis, mais là, peut-être qu'elle est même sorcière. Sur la sorcellerie, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous délivre. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Et j'ai toujours dit, on peut ne pas t'aimer, mais il faut qu'on te respecte. Amen. Oui, il faut qu'on te respecte. Amen. Voilà, donc ça veut dire que, frère, il faut avoir la connaissance spirituelle. Si tu n'as pas la connaissance spirituelle, il sera difficile aux gens de te respecter. Hein? Il sera difficile. Et j'ai dit aux gens, il ne suffit pas seulement d'être délivré, mais il faut avoir les armes nécessaires. C'est ce qu'il enseigne aux gens. Il faut avoir les armes nécessaires. Voilà, donc nous allons aller dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 4, sur ça. Et après ça, je vais commencer à prier pour vous. 2 Corinthiens. J'espère que. Chapitre 10. Verset 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Très bien. L'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, parce qu'en réalité, nous sommes en combat. Vérité. Et quand on fait le combat, on combat avec les armes. Amen. Hein? Donc si tu n'as pas d'âme, mon frère, c'est que tu as déjà perdu le combat. Vérité. Il dit les armes avec lesquelles, quand il dit les armes, c'est qu'il y en a plusieurs. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pour ça que pour respecter une nation, hein, c'est la capacité de ses armes. Toutes les nations qu'on respecte au monde aujourd'hui, là, c'est parce qu'elles sont armées. Voilà. Vous savez, je sais qu'il y a quelqu'un qu'on respecte. On parle jusqu'à... Mais personne n'ose s'élever. Parce que si tu l'as affronté, il va te bombarder. Lui, il a Satan. Et la Satan, deux. Il a ça. Il t'attend. Ça veut dire que tu peux le critiquer dans ta chambre. Tu veux venir parler sur les médias. Mais tenter et puis il y a regretté dedans. Viens. Lui, il t'attend. Voilà. Maintenant, toi, tu as quelle arme? C'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance. Tu as quelle arme? Dans la parole de Dieu, vous voyez là, il y a tellement de mystères et malheureusement que les gens n'enseignent pas aux gens. Regardez ce que l'apôtre Paul parle. Le même apôtre Paul, dans le même livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 7, par exemple. 2 Corinthiens 6, le verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. Et très bien. Par les armes offensives et défensives. Regardez comme il parle en tant que militaire. Les armes pour attaquer et les armes pour se protéger. Offensives et défensives. Vous voyez, c'est dans la Bible. Hein? Moi, j'ai fait des recherches. J'ai même trouvé 300 armes spirituelles. Effectivement, quand vous les utilisez, vous matez la sorcellerie. Et je viens de faire une dernière découverte dans la parole de Dieu où on peut détruire la sorcellerie du village. Il y a une nation prophétique qu'on peut poser dans un village. Si n'importe quel sorcier meurt, j'ai ça ici. Si quelqu'un comme les Poutines, là, ils ont fait des découvertes de la bombe chimique qu'on appelle. Maintenant, on dit qu'on opère encore l'argent pour boîte. Je ne veux pas. Vous croyez à votre miracle? Pardon. Vous croyez à votre miracle? Oui. Non, mais elle a dit pas trop. Pas trop, pourquoi? Vous m'avez pas saisi, c'est ça? Est-ce que vous croyez que Jésus peut encore vous guérir? Il n'y a que lui qui puisse m'aider. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Oui. Très bien. D'accord. Vous avez foi en ça? Non, je veux que vous parliez à conviction parce que moi je ne suis pas dans les émotions. Hein, donc vous n'allez pas me. Je ne suis pas émotionnel. Donc vous n'allez pas me toucher avec les émotions. Je veux voir votre foi parce qu'on peut croire. Mais est-ce que vous pensez que Jésus peut vous guérir? Oui, prophète. Très bien. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venu. Oui, prophète. On peut peut-être dire que la question n'a pas de sens, mais Jésus même a dit à Bartimée. Bartimée, Jésus a dit à Bartimée. Bartimée l'appelait pour une guérison. Il a dit qu'est-ce que tu veux?
Bartimée a dit, je vais être guéri, que cela soit fait selon ta foi. Donc c'est selon votre foi que Jésus va vous guérir. Moi-même, je ne supporte pas, parce que si on vous opère, c'est fini, vous serez paralysé. C'est terminé. Et je suis convaincu que c'est une œuvre de la sorcellerie qui se manifeste dans votre vie. Voilà, je suis convaincu que c'est une œuvre de la sorcellerie qui se manifeste dans votre vie. Mais je suis aussi convaincu que Dieu va vous guérir. D'accord? Amen. Vous croyez à ça? Oui, prophète. On peut prendre rendez-vous pour le samedi prochain? Prophète, samedi prochain, je serai présent. Non, mais c'est moi qui vous donne le rendez-vous. Ici, bien. Je vous donne. C'est ici? On n'a pas d'ici. Le samedi prochain, quoi. Le samedi prochain, là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Parce que j'ai ma fille, j'ai la dot de ma fille. Hein? Elle a la dot de sa la fille. Dot de ma fille. Oui, mais je ne suis pas convaincu de prier pour elle aujourd'hui. Vous comprenez? Je n'ai pas compris, prophète. Non, mais je vous donne un rendez-vous. Ou bien vous cherchez un autre rendez-vous. Je vous dis, venez le samedi prochain. Vous allez me donner cette béquille et terminer. Vous n'allez plus marcher la vie. D'accord? Moi, je suis prophète, je ne suis pas pasteur. Revoyez ça, venez, vous allez faire acte de présence. Revenez au culte samedi. Je vous promets que vous n'allez pas, vous allez laisser. Demandez aux gens de la salle ici. Amen. Ils savent très bien les choses qui s'est passées.